Welcome to the Syntaxis. Alors, les petits gens, où est-ce qu'on en était? Oui, on devait faire le jour 7 qui allait arriver. On s'était lamentablement foiré au jour 6 en épargnant des gens à la place de les buter. Parce qu'on lit mal les consignes, parce que nous sommes pêlés. Et que Bélé, il fait son taf, mais il fait pas bien. Et grosso modo, les deux autres jours d'avant, ça s'était plutôt bien passé, donc pas de soucis. Nous étions donc fait engueuler et Fate était absolument désappointé. Jour numéro 7, c'est parti. Alors, Mortimer. That wasn't so good, was it? It's okay. We can figure it out, make it work. Crisp and clear like the azure pond at the forest glade. Non, ça s'effondre déjà. You are. Don't let it. Heed the harsh reality. Faut quand même pas déconner quand même. Hammer it into a tool. You almost know it, don't you? C'est bon. It's very close, Grand Reaver. Be seeing you. J'ai eu des trucs en plus. Ah, oh, muchachos, là. Bah non, j'avais pas eu de trucs en plus pourtant. Oh, c'est pas seulement. C'est pas le bon. On devait aller travailler. Culture mag. Il y a quelque chose de frais et de nouveau dans le monde des arts. Il y a eu des victimes en plus qui ont été trouvées à cause des pilules toxiques à côté d'une personne sans maison. Il y a un officier qui veut retravailler et améliorer les instructions militaires. Et il y a les gens qui un groupe de gens qui s'appelle la simulation, l'hypothétique simulation, qui ont récupéré encore quelques personnes. Les scientifiques s'en amusent. Je suis pauvre. On va aller voir. Bonjour Grim. Ok. On va voir si tu peux arriver à nettoyer ta merde de la veille. Ça pourra peut-être t'aider. N'oublie pas. Tu dois laisser les troubles derrière et voir les nouveaux qui arrivent. Tu dois toujours garder la tête haute. Le quota du jour, deux humains doivent mourir et je dois épargner les humains qui semblent pouvoir aider les problèmes. Mobster, 46 ans, il s'appelle Don Fierno. Ok. Bon Fierno. Il faisait partie de la vieille mafia. Essaie de se construire à travers les livres sur la vieille mafia et les films. Sans réaliser que ces stories étaient complètement créées par des auteurs qui n'avaient aucune connexion ou aucune compréhension de l'organisation criminelle. Donc très rapidement, il a réalisé qu'il n'y avait aucun code d'honneur et de liens familiaux. Le crime, c'est juste le crime. Il est combilé. Françoise Fukushima. Ok.
66 ans, scam artiste. C'est un menteur, c'est une menteuse et grifter. Je sais pas, Google, dis-moi. Je pense que c'est ceux qui font les tags, mais je suis pas sûre. Grifter. Ou un griffier peut-être. Peut-être un griffier, ce serait plus logique. Allez Google, bouge ton cul. Ah non, c'est une arnaqueuse de première. Qui est en plus une ancienne politicienne. Qui a passé des années à écrire des livres d'ignorants qui n'ont aucun sens et qui apportent de l'ignorance. Ses mots et ses actions ont causé véritablement des problèmes sur la misère globale et qui ont détruit les profits. Alors toi, tu vas mourir, sale fils de pute. Rajesh Nakavi. Oil Factor. Lui, il fait partie de ça pour avoir de l'argent. Ah ouais, non, mais il en a rien à foutre des problèmes environnementaux. On va pas rajouter ça en plus. C'est une nounou qui travaille tranquille. Ah non, c'est pas... Nurse, c'est pas une nounou, qu'est-ce que je raconte? Nurse, c'est une infirmière qui travaille en unité intensive de soins. Et elle est un petit peu provocatrice d'euthanasie. Ouais, toi, t'es pas génial non plus, toi, connasse. Ostrich, choqué. Bon, vous, je vais vous marquer à vivre. On va faire du pifomètre, parce qu'il n'y en a aucun qui est vraiment utile à la situation. Hop là. Vous croyez qu'on va s'en sortir aujourd'hui? Hop là. Welcome, Grim. It is the end of the week. Your performance review draws near. How do you think you have been doing? Tu juste sur peux y avoir fait aussi longtemps. Yes. Your answer has been recorded for the psych eval. Now then, before the assessment, let us look over your daily conduct. I see the required profiles are all here. Excellent. This bodes well for the evaluation. I guess it is time to get started. Okay, c'est parti. Now, where did I put those papers? Ah, here we go. Right. Looking at these stats, the numbers say you have performed adequately. Okay, merci. Oh, do not thank me, Grim. This is not praise. I had hoped for more than
adéquate. Je suis plutôt content de adéquate. Do not let this cloud your judgment. You still have much to learn and many rules to follow. Silly Grim. This was an evaluation period for a reason. Things will only get more severe. Génial, ça va être la merde. As such, your 7-day evaluation period has concluded. You have passed. J'ai passé, je me suis planté un jour sur deux, mais c'est pas grave. That is all. Until tomorrow, Grim. Est-ce que t'as un petit truc pour moi, Mortimer? Need ye cures for ailments, or a trinket to ward off a curse? Y'a rien que je peux acheter, de toute façon. Tant pis, j'aurais bien pris le beau tas. Le petit nœud papillon, là, il me plaît bien. Psst. Hey there. Taken many lives lately? How are the others? The ones you haven't taken yet? Really? Ravaging the land and sea for an endless rush of resources. For profit. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? The stench of poisonous rot slowly creeps into the air. A warning to heed. Gna gna gna, c'est des morning, des machins, mais va te faire foutre, connasse. Hey, what? You'll soon be the king of dust and rubble. Ouais, qu'est-ce qu'on s'en fout? Money is not important. Neither is education, culture. Welfare is meaningless. Mais you oui, are bien proving sûr. It to them the hard. Tu connais quelque chose peut-être, connasse? Scarcity creeps ever closer. That is the kingdom you rule. Think of it as a warning. Nye nye, warning, moi aussi je vais te warning, connasse. Alors, il y a plus d'huîtres qui sont décédées. Il y a un politique populaire, un commentateur politique populaire qui est mort d'une crise cardiaque. Il y a toujours plus de merde qui se développe au sein du au sein du monde. Mais ils cherchent pour des énergies renouvelables. En fait, c'est pas si mal. Et il y a eu un crackdown, il y a eu une destruction du crime organisé et la police espère pouvoir gérer le problème. Moi, oh, c'est cool. Alors, un petit peu de musique quand même, histoire de s'enjoyer. Bonjour Grim. Une semaine entière déjà? Mon dieu. Le temps passe vite. Bon, toujours plus de travail. On y va direct. Tu penses que tu sais faire la différence? Donc maintenant continue ce que tu sais faire. Le quota du jour, 3 humains doivent mourir et je dois épargner les humains âgés entre 35 et 60 ans si possible. Alors lui tu peux mourir, 66 tu peux mourir, 35 tu vis, il y en a 3 qui doivent mourir, shit, bon de toute façon faut que je lise. Bref. C'est un musicien qui fait que se plaindre, il peut crever. Un musicien ingénieur. Pas les couilles.
Alors. On dirait un toxicolaboy, lui. Alors, un domestique. Il va aider les gens qui ont des problèmes avec leur mobilité. Oh, il est intéressé par les gens qui parlent du fait que le monde est potentiellement une simulation. Toi, je te trouve chelou. Oh, bah, il conduit les enfants tous les jours, c'est un truc de... Je sais que je suis censé épargner les gens entre 35 et 60 ans, mais... J'ai envie de te buter, toi. Tu prends des narcotiques avant de conduire des gamins? Ah non, non, je suis désolé. On sauve les gosses. Bats les couilles de pas avoir de thunes. Lui, il motive les gens en parlant. Bon, allez, tu vas vivre. Là, on va faire du pif sur cela, à peu près. Ouais, c'est bon. Alors... Grim, ah, yes, there you are. Good, good. Great work today. You fulfilled your tasks adequately, and all that. However, an emergency has occurred which requires my utmost attention. And I must depart for a couple of days. Okay. Yes, good. While I am forced to absence, even though you passed the evaluation, I cannot leave you without any supervision. You will have more freedom, sure, but it is not limitless. Okay. Therefore, you will have to continue your daily reports as usual. I will be informed of your progress. Dois en parler à qui? Why? You are already acquainted. It will be Lady Pordington. Le chat? Je dois aller parler à un fucking chat tous les soirs après le taf? On se fout de ma gueule? Tout mon respect pour toi, le chat, mais merde, t'es un chat! Un mother fucking chat! C'est quoi cette couille? Pugique 200 thunes. Est-ce que je peux acheter de quoi me changer la tronche? I know what you're thinking. I do provide ancient powerful widgets. Je connais pas celui-là. Vas-y. Ever been to the land of dunes, ye scallywag? There be ancient civilizations under the sand sometimes. Once I dug out this particular golden icon. All while I was digging, the owls of the World Eater rang in my ears. But I persisted. Dug until me fingers cracked. No stopping. Till the riches were secured. Ah, 'tis truly a wondrous thing. Turns your own head into a jackal's, it does. Bon. On va voir la tronche que ça me fait. Oh! Je suis égyptien, je suis un chien égyptien. Je suis un lévrier. Oh!
Alors là, je prends. Ouais, comme ça, je suis bien là. Oh! Je vais ponctuer toutes mes phrases de je suis extrêmement con. Alors. Bon, il y a plus de gens qu'il faut qu'ils aillent. Faire la révélation de je sais pas quoi. Le conducteur du bus d'école il s'est fait renverser par un chauffeur ivre. Rody for the wilderness asked to join. Oh, il y a un gars qui a été demandé à rejoindre un groupe. Avant leur dernier tour en tant que batteur. Il y a un domestique qui a été retrouvé mort dans de mystérieuses circonstances. Il y a le rapport. Je vais en galérer avec celui-là. Ça va être un jour pour le temps, ça va être un jour avec du vent et qui va être assez sec. Ouf, ça va être cool, il y a des feuilles qui vont voler, je vais pouvoir courir après. Ouf, 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 focus. Où est-ce que les abeilles ont disparu? Je ne sais pas. D'ailleurs, avant de... Je dois tuer des plantes. Tu dois tuer des plantes? Ok. Bonjour de loin. Il y a un petit problème avec le département des plantes. Ne pose pas de questions. J'ai besoin que tu t'occupes de ça aujourd'hui. Alors, il faut que je tue 3 plantes. Contrôle la peste. On se nourrit de petits insectes. Les mouches, les trucs comme ça. Toi, faut que tu vives. L'arbre le plus vieux du monde. City Air Cleaner. Ruff. Puis il y a des écureuils dedans. S'ils restent dans l'arbre, je pourrais pas les chasser. Ruff. Bon, allez, le vieux arbre. Tu meurs que je chasse les écureuils. Toi, on s'en bat les couilles, tu sers à rien. Et vous, vous allez vivre. Attends. It was at this moment that he knew. He fucked up. Non, je dois tuer 3 plantes. Eh ben, on va modifier toi. Oh, je peux plus changer.
Comment ça, j'ai... Mais je suis con, ma parole, je voulais le noter à crever, celui-là. Je peux même pas modifier. Meurs. 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 Je suis pathétique. Je suis d'une nullité absolue. Bon, allons parler au chat. Ha. On est copains, on est copains. Ça m'apprendra à pas être efficace. Allez, on lui parle et après c'est fini. All alone, Reaper. On your own. You know why? Because they're setting you up. Just go. Va, dégage. Je suis pas, je t'aime pas. Hey now. Playing with fire. Without me, you'll be incomplete. We're inside your skull, lurking in every reflection. No escape from us. If we wander off, we shan't return. Leave me alone! Be like that, bonehead. Be seeing you in another life. Et sur ce, ça va être le dodo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, peu importe quand vous regardez cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et je pense qu'on va changer de tête parce que jouer un chien, c'est pas très pratique, je vous avoue. Même si c'est drôle, mais c'est pas pratique, donc on verra. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je garde la tête de chien pour l'instant. Sur ce, je vous fais des bisous et à plus.